Ce que j'ai aimé, c'est qu'il y avait une bonne ambiance, le cadre était cool, c'était instructif et éducatif. On a assemblé des pièces mécaniques et électroniques d'un robot, le M-Bot Ranger. J'ai aimé la façon dont on a assemblé et c'est devenu un robot. Pour moi, c'est extraordinaire. Je ne savais pas l'utilité en fait du robot et quand on nous a expliqué et à travers les jeux que je viens de faire, je pense que le robot est utile pour l'homme. Je loue très bien l'initiative parce que la tranche d'âge occupée, la jeunesse, juste pour démystifier un truc, c'est-à-dire le robot, on n'a pas tellement de connaissances sur ça. Ces journées nous ont permis de découvrir et de participer au montage des robots et de constater qu'en réalité, c'était pas un truc compliqué. Je pense que c'est une bonne initiative qui devrait continuer et encourager comme ça plus de jeunes, plus d'enfants, plus de filles à aimer tout ce qui est scientifique, notamment la robotique que nous faisons. L'idée de cette compétition, c'est de montrer aux enfants que la science n'est pas associée, la robotique n'est pas associée, le codage n'est pas associé. Et nous avons voulu le montrer avec des expériences pratiques que tout ce qui se fait aujourd'hui dans le domaine de la science, c'est des trucs qu'elles peuvent aussi le faire si elles apportent, mais si elles donnent un petit intérêt à la science. Et je pense que nous sommes satisfaits de ce qui est en train d'être fait parce qu'elles ont montré vraiment un grand intérêt à la chose et c'est ça qui importe.